Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment partager du contenu via l'application En Classe. Donc, on démarre l'application En Classe qui a été préalablement configurée. Et ici, je vais dans le groupe avec mes élèves. Puis ici, on voit que j'ai présentement là, deux élèves qui sont en ligne. J'aimerais leur partager du contenu. Donc, par exemple, j'aimerais peut-être les envoyer sur une page web. Donc ici, je vais aller simplement sur le navigateur ici. Et sélectionner si c'est un livre que je pourrais partager, mais moi, c'est une page dans Safari. Et ici, je vois mes favoris, mais je peux également aller voir ce que j'ai mis dans ma liste de lecture. Donc, je vais sélectionner le site du centre de services scolaires ici, là, pour l'exemple. Donc, voilà, les deux iPads sont rendus et je peux accéder moi aussi au site pour leur montrer ce que je désire qu'ils fassent. Je vais faire OK. Donc, ici, on voit mes deux élèves qui sont sur le site web. Par contre, je ne les ai pas verrouillés dans l'application, donc il pourrait très bien quitter à tout moment, à ce moment-là, et aller dans d'autres choses. OK? Autre chose qu'on peut faire, c'est à ce moment-là, revenir ici, mais avant de lancer le site, je vais activer accès limité après l'ouverture. Et mes iPads sont maintenant verrouillés dans l'application Safari et sur le site du centre de services scolaires. Donc, voilà, je fais OK. Je peux déverrouiller mes iPads à tout moment en appuyant ici. Et mes élèves veulent maintenant aller dans d'autres applications si je le désire. Il est possible d'envoyer un seul iPad sur un site en particulier en faisant sélectionner, en sélectionnant l'appareil ici, en allant sur navigation et en envoyant l'élève sur le site en question. Donc, par exemple, sur le site du centre de services scolaires. Il y a une autre façon de faire partager du contenu. Il est aussi possible d'aller directement dans Safari. Ici. Donc, par exemple, si j'ai un Padlet que j'aimerais que mes élèves s'inspirent pour leur création, je vais aller sur le bouton « Partager » ici. Et dans les options, vous allez voir automatiquement, on m'offre de partager à mes élèves de ma classe du chariot C. Donc voilà, les deux iPads de mes élèves sont maintenant rendus sur cette page web. C'est aussi possible de partager des documents, comme par exemple mon document Pages ici que j'aimerais envoyer à mes élèves pour qu'ils s'en fassent une copie et modifient celui-ci. Donc, on voit ici, là, j'ai mon document qui est prêt à être partagé aux élèves. Donc, je vais retourner ici dans Documents. Je vais le sélectionner. Et maintenant, je vais aller dans Partager. Et même chose, je vais voir mon chariot C ici, ma classe. Donc, j'appuie. Et les élèves doivent accepter le fichier. Donc, ça airdrop le fichier à mes élèves. Et une fois qu'ils l'ont accepté, ils ont maintenant une copie du fichier en question. Donc, on voit que mon élève ici est maintenant rendu dans Pages en train de travailler dans le document. Finalement, il est également possible d'utiliser les sous-groupes pour partager un lien web rapidement avec les élèves de ce sous-groupe. Donc, voilà, c'était comment partager du contenu via l'application En Classe.